Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose ce look que je porte. C'est un look en cut crease. Salut, je m'appelle Belle Ambio. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle d'astuces de maquillage, de cosmétiques faits maison et soins de la peau. Avant de commencer, je t'invite à me rejoindre sur Instagram où je te partage tout mon contenu maquillage. Sans plus tarder, on rentre dans le but du sujet. Commence avec cette teinte rose-là avec un pinceau. Précis. Je vais commencer par mon pli paupière. Je dépose le fard à paupières petit à petit au niveau de mon pli paupière. Pour ma transition, ça sera la teinte jaune, toujours ma palette de Morphe. J'applique la couleur sur les bords pour dégrader avec ma couleur rose. J'utilise un pinceau estompeur pour venir estomper mes deux couleurs et les dégrader ensemble. Pour intensifier mon maquillage, je vais utiliser la couleur violet. J'estompe les bords en étirant la matière avec le premier pinceau que j'avais utilisé. J'utilise ma base en Péluise pour faire ma forme de cut crease au niveau de ma paupière mobile. Pour la forme, j'utilise un pinceau plat. Avec cette teinte beige, je vais poudrer l'ensemble de ma paupière mobile. Je vais utiliser le jaune sur ma paupière mobile, les mêmes couleurs que j'ai utilisées auparavant. Ensuite, la couleur rose. Maintenant, je passe au fard. Je viens tracer le liner. On passe maintenant au mascara. J'utilise un mascara de chez MAC Cosmétique. Maintenant, je passe au rouge à lèvres. Je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Softies Paris. Et voilà les filles, on a fini. J'espère que vous avez aimé ce maquillage.